Tout le monde de ce pays devrait apprendre à programmer un ordinateur parce que cela nous apprend à penser. Steve Jobs. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi apprendre à coder ne sera que bénéfique pour vous. Vous n'allez pas simplement acquérir une nouvelle compétence, vous allez devenir une meilleure personne. Oui, je sais, on dirait une chaîne de développement personnel, mais on va simplement parler de programmation, je vous l'assure. Allez, c'est parti. Première raison, c'est facile et ouvert à tous. C'est simple, si tu as envie d'apprendre, comme toutes les disciplines, la vitesse d'apprentissage dépend de ta motivation et de tes envies. Si tu penses d'ores et déjà que tu ne vas rien comprendre et que c'est trop difficile, forcément ce sera difficile et tu ne vas rien faire du tout. Concernant l'apprentissage, tu peux suivre des cours dans une université, avoir un diplôme ou alors apprendre en autodidacte. Cela dépend vraiment de toi. C'est ce qui fait la beauté du code, c'est une discipline ouverte à toutes et à tous. Tant que vous avez de la motivation à revendre, ça devrait le faire. Deuxième raison. Quand vous êtes sur votre PC, comptez le nombre de fois que vous réalisez une même tâche jour après jour. Maintenant, chronométrez le temps que vous passez à réaliser cette même tâche. Il ne faut pas être un génie pour comprendre que vous perdez énormément de temps. En apprenant à coder, vous pourrez automatiser toutes ces tâches. Et je peux vous assurer que vous allez gagner un temps considérable. Imaginez tout ce que vous pourrez faire avec ce temps. Vous pourrez désormais vous concentrer sur les choses réellement importantes pour vous. Troisième raison, le pouvoir de création est phénoménal. Ok, celui-là est assez important. L'univers du code est un domaine gigantesque, presque infini, qui est passionnant et créatif. Je me rappelle à mes débuts dans le monde de l'informatique où j'étais choqué. Parce que certains de mes camarades de classe créaient des robots ou des voitures téléguidées en utilisant des Raspberry Pi. J'étais en mode, simplement avec des lignes de code on peut faire ça? C'est un peu plus complexe, mais c'est la base en fait. On a un pouvoir de créativité vraiment stupéfiant. Mais le plus choquant, c'est que c'est une infime partie de l'univers du code. Vous avez par exemple le développement web, la cybersécurité, le data viz, le data mining, le big data, etc. Il existe tellement de sous-domaines liés à l'informatique. Et ce n'est pas tout. Qu'importe le domaine que vous avez choisi, vous vous rendez compte que même en devenant un expert de ce domaine, vous continuez à apprendre. L'univers du code est en constante évolution. Et forcément, vous allez évoluer avec lui. Quatrième raison, vous deviendrez une meilleure personne. Le monde auquel nous vivons est rempli de technologies et d'informatique. Il est donc logique d'apprendre leur langage. Tout est à présent informatisé. Le fait d'apprendre à programmer vous permettra de faire des choses que les personnes lambda n'auront même pas l'idée de leur existence. C'est quand même stylé, on va pas se le cacher. J'ai vraiment l'impression d'être dans Harry Potter là, genre vous êtes des moldus, devenez des programmeurs. Passez du bon côté de la force. C'est tout pour cette vidéo, voici les différentes raisons qui devraient vous pousser à apprendre à programmer. Ou en apprendre plus sur le monde de l'informatique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de la tourner, même si j'ai vraiment galéré, on va pas se le cacher. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé en entier. Si elle vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like, qui se trouve quelque part. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. Voilà. C'était la Naïque. À dans notre soleil.